Alain Cacheux, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des OPH, Office Public de l'Habitat, qui représente la moitié du parc de logement social. Vous intervenez en fait dans un contexte de réforme en matière de politique du logement. Le président Macron souhaite baisser en même temps les loyers des HLM et les APL. Il a déclaré lors de sa récente intervention télévisée Dans le monde HLM, il y a des acteurs du logement social qui ont beaucoup d'argent. On va leur demander de faire un effort. Est-ce qu'il a raison ben, je pense que euh, l'idée de vouloir réduire la dépense de logement est euh, une idée plutôt positive. Mais la méthode qui est suivie euh, va complètement à l'inverse de l'objectif euh, affiché. Donc, euh, même s'il y a des améliorations euh, à réaliser au niveau du logement social, il ne faut pas commencer par... Euh, Comment j'allais dire, tuer les organismes d'HLM Tuer, le mot est fort. C'est-à-dire que vous pensez qu'il va beaucoup trop loin Pour les offices publics de l'habitat, notre pronostic vital est engagé. Tout simplement parce que la mesure gouvernementale telle qu'elle est arrêtée actuellement euh, se traduit par le fait que les offices qui ont eu la politique d'attribution la plus généreuse, en, plus, en direction des publics défavorisés, sont aussi les offices qui vont être le plus touchés. Même chose d'ailleurs au niveau des politiques de loyer. Plus vous avez une politique de loyer modérée, plus vous êtes touchés. Mais euh, nos amis euh, des entreprises sociales de l'habitat vont être touchés aussi, même quand ils sont dans des grands groupes. Et pour ce qui est des indépendants, parce qu'il existe une grande diversité dans le monde des euh, ESH, tout le monde va être touché, donc il faut faire autrement. Alors vous demandez en fait le retrait euh, de l'article 52 du projet oui. de loi de finances qui prévoit une baisse de l'appel et une réduction donc, du loyer de solidarité, ce qui représente une économie pour l'État d'1,7 milliard d'euros. Mais quelle serait la conséquence derrière pour vous La conséquence de cela, c'est tout un certain nombre d'organismes, euh, 120 offices, mais 80 ESH également, qui seraient dans le rouge dès la fin de l'année 2018. 200 sur 490 parce que le président de la République a cité le chiffre de 800. Mais euh, quand les grands groupes des ESH ont des filiales, vous pouvez compter le groupe, vous pouvez compter l'ensemble des filiales, on arrive à 800. Il aurait d'ailleurs pu y aller à 1000 puisque euh, il y a 200 euh, SEM de construction hein, euh, qui existent également qui euh, ne sont pas dans le mouvement HLM mais qui ont toute la réglementation euh, de celle du logement social donc' euh, la même euh, c'est la même réalité. Et donc euh, si vous voulez par rapport à, par rapport à cela, euh, je pense qu'il euh, y a des améliorations possibles si vous voulez le, le problème du débat que l'on a actuellement euh, notamment avec le gouvernement. Il n'y a pas eu de concertation durant l'été et euh, actuellement ça traîne ça traîne pourquoi? Ça traîne, mais ça veut dire aussi que ce n'est peut-être pas terminé. Bah, J'espère que ça ne sera pas terminé. Vous avez le, le mouvement HLM a une culture du dialogue euh, permanente, quoi. Et euh, euh, on n'arrive pas à faire comprendre euh, cette réalité qui est incontournable. C'est que les propositions qui nous sont faites d'amélioration concernent l'investissement. Ouais. Et ce sont d'ailleurs des propositions qui, euh, à terme, euh, peuvent être euh, positives. Hein, et nous souhaitons bien entendu les, les garder. Mais le vrai problème, c'est que le, le prélèvement sur nos ressources, c'est le fonctionnement, ouais. c'est le fonctionnement, et c'est bien de pouvoir mieux investir. Mais si à travers le fonctionnement vous êtes en grande difficulté, bah tout simplement, euh, euh, ça ne va pas être un choc de l'offre, ça va être une chute de l'offre. Une chute de l'offre, mais alors donc ça veut dire qu'il y a des risques sur la construction de logements très sociaux, voire de dégradation du parc du logement Mais non seulement euh, de logements très sociaux, mais même de logements euh, sociaux. L'excédent d'exploitation que nous réalisons. Pour moi, ce n'est pas un bénéfice, puisque ça pas, euh, on n'a pas d'actionnaires, les offices, euh, et on ne verse pas de dividendes. Et même euh, les, les ESH ne versent pas de dividendes. Et donc, euh, tout est réinvesti dans ce qu'on appelle nos fonds propres. Et euh, sur euh, ces fonds propres, ça permet de construire, bien entendu, les logements très sociaux, mais aussi euh, les logements sociaux, les logements intermédiaires. Et même, euh, donc euh, tout cela va, va ralentir brutalement euh, dès le début de l'année prochaine. Et même la promotion privée va être euh, touchée. Quand quelqu'un comme On Monsieur, d... par rebond que la promotion privée serait touchée, oui. mais très directement, ouais. très directement, quand quelqu'un comme Monsieur Dinin qui est un peu la figure incontournable, PDG de Nexity, absolument, oui. absolument, euh, claque la porte de la FPI hein, pour te dénoncer l'absence de solidarité et avec le Monde HLM. Mais euh, Monsieur Dinin sait bien que tout un certain nombre de promoteurs euh, réalisent une partie de leur chiffre d'affaires euh, avec les bailleurs sociaux, puisque désormais les élus, notamment les maires, sont très soucieux de l'équilibre de peuplement et donc demandent des programmes mixtes. Et donc, euh, naturellement, les plus grands promoteurs euh, se sont, euh, ont, ont décidé de s'engager dans cette politique et donc euh, réservent euh, 30%, parfois un peu moins, un peu plus, euh, de leurs programmes aux euh, logements euh, sociaux. Et moi-même, qui ai été, euh, dans une vie antérieure, euh, adjoint à l'urbanisme, je rencontrais naturellement les promoteurs. Et ils m'expliquaient que... Euh, euh, les banques ne donnent pas le feu vert pour démarrer le chantier avant euh, qu'il y ait 50%, 50% de oui, commercialisation. Fait, Quand vous avez un acheteur unique qui en achète 30%, il y a une bonne partie du travail qui a été fait. Quelles sont vos pistes pour vous, Alain Cachet, pour réduire les déficits Réduire les déficits de, euh, de l'État, oui. c'est bien ça. Oui. Hein Je pense que, d'une part, il ne faut pas toucher à l'APL dans la mesure où l'APL est le symbole de la solidarité nationale en matière de logement social. Hein Et je dis ne pas toucher, le moins toucher possible. Et s'il doit y avoir un complément euh, au niveau euh, de ressources, moi je le dis très, très simplement, euh, que l'on regarde modestement une contribution, euh, par exemple, euh, contribution des revenus locatifs, à enfin, une seule condition, je le dis, c'est que cette contribution soit inversement proportionnelle à la charge sociale des organismes. Parce que moi je préside une fédération où il y a 54% de locataires à apéalisés. À Mais c'est une moyenne. Hein, ça va de 30% et moins à 70% et plus. Donc il n'est pas question de demander encore quelque chose à ceux qui ont déjà euh, 70% de locataires à apéalisés à et qui par ailleurs sont les principales victimes des mesures annoncées. Comment produire du logement social moins cher je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Il euh, y a d'ailleurs euh, Stéphane Peu qui euh, est élu député et qui avait fait des propositions au niveau de l'Union pour euh, rallonger euh, un certain nombre de prêts, pour faire une, un modèle économique qui soit différent. Très honnêtement, nous avons, euh, nous vivons euh, sous le régime euh, de la réforme Barre des années 77 en 1977, les, les aides de l'État en faveur du logement social, c'était deux tiers d'aide à la pierre, un tiers d'aide à la personne. Aujourd'hui, c'est 90%, 95% d'aide à la personne et 5% d'aide à la pierre. Il faut rendre à l'aide à la pierre euh, toute sa dimension. Alors je vois bien qu'à très court terme... Les moyens gouvernementaux ne sont pas considérables, bien entendu, mais on peut trouver, si on respecte le modèle HLM, un certain nombre de solutions. À ce moment-là et à ce moment-là seulement, moment seulement, on arrivera à faire des prix qui sont plus modérés. C'est l'intérêt de tout le monde. C'est l'intérêt de tout le monde. En conclusion, dans quel état d'esprit êtes-vous et comment va prendre forme votre mobilisation Alors, nous sommes dans un esprit de dialogue parce que c'est la culture du monde HLM et. Euh, Comment j'allais dire Je pense que euh, nous devons rester dans cet état d'esprit euh, et ne pas changer euh, d'attitude. Le président de la République a un rôle d'arbitre. Euh, je reste persuadé que le moment venu, euh, il jouera ce rôle d'arbitre. Nous allons continuer la mobilisation. Ben, D'une part, euh, les offices, euh, ils le sont naturellement mobilisés, euh, et les ESH euh, ont également un certain nombre d'initiatives, même si ce sont des formes différentes, évidemment. Eux n'ont pas l'habitude de manifester dans la rue, nous non plus d'ailleurs, mais bon, on a repris des habitudes de jeunesse. Hein. C'est toujours ça de, de positif. Et puis, il y a les élus locaux. Si M. Barouin euh, a décidé, comme président de l'Association des maires de France, de euh, mobiliser euh, l'ensemble de ses troupes, euh, c'est bien parce qu'il a conscience que les élus vont être sollicités. C'est eux qui garantissent euh, nos emprunts. Alors évidemment, euh, si les organismes sont en difficulté, on fera appel euh, aux collectivités locales sous la menace de mise en jeu des garanties d'emprunt. Et puis il y a toute la filière du bâtiment, bien sûr, euh, hein, bien sûr les grandes entreprises, mais également les petits artisans. La CAPEB est d'ailleurs euh, tout à fait euh, consciente du problème et je pense que euh, euh, nous l'avons déjà vu au niveau de l'Union, nous les reverrons au niveau de la fédération des offices, il faut qu'ils fassent remonter à leurs responsables nationaux toutes les inquiétudes qui peuvent être les nôtres. Voilà comment nous allons mobiliser. Eh bien, c'est à suivre. Alain Cacheux, merci beaucoup. Bonne journée, merci de m'avoir invité. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club Imo.